chers amis, bienvenue. Bienvenue à la Fondation H. Dans notre, dans votre nouvelle maison. L'art se vit, l'art se partage, l'art s'échange. On ne peut pas être juste dans son coin. On doit être exposé, on doit être confronté, on doit avoir la chance de visiter différents lieux, de confronter nos idées. C'est extrêmement important. Et c'est le but de ce projet, c'est d'aider avant tout la jeune scène artistique, malagasse, mais aussi africaine, de pouvoir être encadré dans une formation, de pouvoir être exposé, de pouvoir rencontrer des grands frères, des grandes sœurs du continent qui ont une grande renommée internationale et surtout de pouvoir partager toutes ces émotions tous ensemble. Merci pour cet espace qui permet d'échanger. Merci pour la lumière que l'on met sur Antananarivo et Madagascar en particulier. Au cœur de la ville d'Émile se trouve désormais un lieu exceptionnel qui raconte notre émotion, qui dessine notre histoire, qui façonne nos sentiments et qui est un peu l'expression, au travers de ces différentes formes esthétiques, ce que l'on appellera l'âme permanente de l'être humain, l'art. Bientôt, je vous tisse tous, ce sont les quelques derniers mots que Madame Zou a adressés à Sanaï Nerigi et aux membres du prix Paritana en 2020, quelques semaines avant de disparaître. Elle nous a effectivement bien tissés. Elle m'a tant donné, elle m'a tant accompagné. Elle a fait que nous sommes ce soir ici réunis, que nous sommes en train d'être tissés. C'était son vœu le plus cher, c'était ses derniers mots à mon endroit. Au-delà même du génie avec lequel elle a créé ses œuvres, au-delà des engagements qu'elle leur a fait porter, elle a créé ce maillage qui nous rassemble ce soir et pour les nombreux mois à venir. Elle a bien réussi son coup. Nous allons faire de ce lieu une des plus belles institutions du continent et du monde. Merci pour tout.